Hello, aujourd'hui on va voir Dieu mon conseiller. C'est vraiment un super thème, je vous assure. C'est vraiment génial, bon, comme tous les autres thèmes. Mais en fait, je suis sur un arbre, c'est super. C'est super. Bref, aujourd'hui on va voir Dieu est mon conseiller. Et on va voir quels sont les aspects de ce thème que Dieu est mon conseiller et quels sont les avantages. Il y a plus d'avantages qu'autre chose. Et comme il y a plus d'avantages, il y a vraiment un premier élément que je vais te laisser avant de rentrer dans ces avantages-là. Le premier élément que je vais te laisser, c'est quitte ton ancien conseiller. Quitte ton ancien conseiller. David, il parle d'autres. Il explique que je ne prends pas plaisir à alimenter les idoles. Je ne prends pas plaisir à alimenter toutes sortes de choses qui vont me détruire, c'est-à-dire qui vont pas m'apporter du bien. Donc, quitte tes anciens conseillers, c'est les premières parties du verset du psaume 16 qu'on va voir. Allez, on les lit. On multiplie, donc psaume 16 verset 4, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Ça veut dire que David avait compris que dans son contexte, parce qu'il faut bien comprendre dans son contexte, ça veut dire quoi, c'est quoi une idole. Et ramener dans notre contexte, c'est quoi une idole. Vous savez, il y a plein de choses qui peuvent être pour nous être des idoles. J'ai discuté la dernière fois avec quelqu'un, il me parlait de sa vie, il me disait, voilà, il ne disait que des mensonges sur lui-même. Et je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu as entendu ça quand tu étais plus jeune? Il m'a dit, oui, Van. On m'a dit que je ne serais pas tel. On m'a dit que... Donc, en fait, c'est-à-dire que dans tout ce qu'il est en train de dire de lui, mais j'arriverai pas, tu comprends pas, j'arriverai pas. C'est parce qu'on lui a dit qu'il n'arrivera pas. Oh, mais c'est pas normal. J'ai dit, écoute. C'est des mensonges, tu les alimentes. C'est des mensonges, c'est des bêtises, c'est faux. Donc le premier concept, c'est Dieu est notre conseiller, Dieu est mon conseiller. Le premier élément pour rentrer dans cette dimension-là, que Dieu soit ton conseiller, il faut déjà premièrement que tu quittes les mensonges de ce qu'on t'a dit, des paroles de destruction, des paroles de mort, des paroles que tu n'y arriveras pas, des paroles que c'est impossible. Comme la vie et la mort sont au centre de la parole, oui, la parole. C'est-à-dire que dans toutes les vidéos que je ferai, ce serait toujours au centre de la parole, parce que c'est la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc toutes les paroles qui t'ont été dites de mensonges et de choses qui avaient un but de te détruire, moi, un conseil pour que Dieu soit ton conseiller, c'est premièrement les quitter. Donc ça, c'est le premier point. Waouh, c'est magnifique, parce que le deuxième point, il est énorme. Le troisième point, il est grandiose. Ah ouais, je t'assure. Le deuxième point, c'est accepte ton nouveau conseiller. Waouh, accepter mon nouveau conseiller. C'est qui ton nouveau conseiller? Dieu est ton conseiller. Ça veut dire que accepter ton nouveau conseiller, c'est entrer dans ses paroles, c'est écouter ses paroles, c'est écouter ce que lui il dit et non ce que tu as entendu dans le passé ou toutes les paroles de destruction qui t'ont été données. Allez, on y va. Et si on le disait, cette deuxième part. Le psaume 16, il est énorme. Et moi, je ne fais que survoler, je t'assure. Je ne suis qu'un perroquet qui répète des choses. Mais je t'invite, si tu regardes cette vidéo, à le lire tranquillement chez toi et t'abreuver de ça. Waouh, on y va. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux mais attribué. On continue la suite. C'est dur d'être sur un arbre, hein. C'est énorme, mais je sais pas pourquoi je suis là. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Le fait d'avoir l'Éternel comme conseiller, c'est-à-dire
recevoir notre nouveau conseiller. Donc quitter le premier point, c'était quitter notre ancien conseiller, recevoir notre conseiller, notre nouveau conseiller. C'est de savoir que Dieu est constamment avec nous. J'ai constamment l'Éternel à ma droite. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. L'avantage d'avoir Dieu comme conseiller, c'est que constamment il est avec nous. L'avantage d'avoir Dieu comme conseiller, c'est que ses conseils sont justes et vrais. L'avantage, c'est que Dieu ne nous trompe pas, non. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Ça veut dire que même la nuit, le fait que Dieu soit ton conseiller, même en dormant, il te parle. On a la vie de Joseph où Dieu lui avertit. On a la vie de Daniel où Dieu constamment mon cœur est averti. Et constamment, les directives que Dieu nous donne dans l'objectif, c'est de nous bénir. Les directives que Dieu te donne, le fait d'accepter Dieu comme ton conseiller, c'est l'objectif, c'est de t'instruire et te dire, voilà comment je veux que tu marches. Voilà les projets que j'ai pour toi. Voilà mes conseils. Et mes conseils sont bons, mes conseils sont comme du miel. Oh, je suis ton meilleur conseiller. Voici, il dit, une belle possession m'est accordée. Le fait d'avoir Dieu comme conseiller, c'est vraiment le bonheur total. Et la suite du fait que Dieu soit notre conseiller, il y a quelque chose qui produit. Le fait d'avoir un ancien conseiller dont l'objectif c'est de te détruire, c'est qu'il te produit la mort. Le fait d'avoir un conseiller comme Dieu, c'est qu'il t'apporte la joie. Moi, mon élément qui me réjouit constamment chaque jour dans ma vie, le fait que je sais que ça vient de Dieu et ça ne vient pas d'une autre personne, c'est que ça produit la joie. C'est toujours soi. Quand tu discutes avec quelqu'un qui veut te détruire, après quand tu finis de parler avec lui, tu penses à lui, tu es déprimé. Oh, 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 il te déprime. Ah! Mais quand tu es en contact de quelqu'un qui est peureux, un peureux, oh, j'étais en contact un jour d'un peureux. Il m'a contaminé sa peur, j'étais obligé de le fuir. Ah ouais, ouais. Quand Dieu est ton conseiller, il n'y a que de la joie, les amis. Il n'y a que de la joie de vivre. Écoutez la suite. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie. Waouh. Et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité car tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que mon bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. Waouh, 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 waouh. Je suis vraiment excité ce matin, je vous assure. Le psaume 16, ça fait 4 jours que je le médite. Je ne sais pas donner une interprétation à ça. Mais j'aime le lire. Allez, ici on se réveille. Allez. Car tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que mon bien-aimé connaisse sa décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. Le fait de choisir Dieu comme ton conseiller à ta droite, mon frère. T'es pas laissé. T'es pas abandonné. Parce que Dieu, quand tu acceptes que Dieu soit ton conseiller, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quels que soient les choix que tu vas faire, quels que soient les trucs, quel que soit ce que tu dois faire, je t'assure, il est fort probable que tu ne te trompes pas parce que Dieu est ton conseiller. Dieu connaît toutes choses, il connaît toutes choses, il voit toutes choses. Et accepter que Dieu soit ton conseiller, je t'assure, c'est vraiment une source de joie et une source de bonheur. Je te laisse, ciao, et je te dis, regarde le psaume 16. Médite-le et que Dieu soit ton conseiller. Ciao.